Du coup, un peu à froid là, comment ça s'est passé en fait? L'ambiance d'avant-course, l'état d'esprit, tout était ok. J'étais très motivé à l'idée de faire le tour du Mont Blanc. Puis j'ai senti une petite baisse de régime avant les contamines, mais après, bah, rien d'affolant. Et puis après, vraiment une baisse, une dégradation de l'énergie dans la montée en allant sur le bonhomme. Mais bon, j'ai voulu insister pour voir. Pour bien identifier le problème et puis et pas baisser les bras comme ça, mais c'était vraiment très compliqué. Je me suis posé un petit coup pour voir si ça revenait. Je suis reparti, mais j'avais l'impression de courir à côté de mes jambes. Ouais, au niveau plaisir, c'était zéro quoi. Donc après, bah, voilà, il y avait quand même pas mal d'incertitudes au départ de la course. J'y suis allé, j'ai bien fait, j'ai aucun regret par rapport à ça. Maintenant, je vais me pencher sur le futur, trouver les problématiques, me concentrer sur l'aspect santé. Et en tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui étaient au bord du parcours, tous les messages de soutien et d'encouragement que j'ai pu avoir avant, pendant et puis après. Et ça, c'est quelque chose qui me fait au chaud au cœur et auquel j'ai beaucoup d'attention et qui me donne beaucoup d'espoir et de courage pour la suite. Alors merci à tous.